Elisabeth ? Laissez-moi voir ça. Voilà. C'est une faille. Je vois quelque chose. Vous voulez que je l'ouvre ? C'est ma mère. Je vous assure, madame. Je porte un intérêt asexué à votre cher prophète. Et madame Lutèce ? Qui plus est, ce pauvre homme est sauvé. Vous mentez ! Venez récupérer votre vengeance ! Je vous déguise, madame ! Stérile. Je ne suis pas leur fille. Alors, qu'est-ce que tu es ? Un enfant qu'ils ont choisi d'emprisonner. Elle a mérité ce que lui a fait Comstock. Qu'est-ce que tu voulais dire par « Madame Comstock n'a rien à faire ici » ? Elle est presque... animale. C'est comme voir un reflet de... Je ne sais pas. Théorie. Si la reproduction sexuelle atténue les caractéristiques de chaque parent, de multiples réalités ont le même effet sur la nôtre. Vos traits s'estompent jusqu'à s'effacer ou disparaître complètement. And release to throw it back. Hold and release to create an explosive trap.
écrire ça, Elisabeth. J'y vais. C'est prêt. Pas de problème. C'est fait. Je ne crois pas que ce soit la vraie Madame Comstock. Je crois que c'est un mélange entre elle et les sentiments que j'ai à son égard. Comment ça? Je suis en colère. Entre elle et contre mon père. Je crois que c'est elle, mais aussi un peu moi. Je suis même pas sûre de bien comprendre moi-même.
Semble mener jusqu'au coffre. Tireur,
J'ai trouvé 50%. Comment ça? 50% de tous leurs revenus sont versés à Comstock sous forme de taxes. Je ferais peut-être bien de me mettre à mon compte comme prophète. Nourrissez-vous de leurs mensonges! Besoin d'argent? Prenez ça. Ceux qui connaissaient la vérité. Je ne suis même pas sa fille. Je suis juste un spécimen à étudier et disséquer. Non, c'est faux. Elisabeth, écoute-moi. Ce que tu as vécu, personne au monde ne mériterait ça. Booker. On va s'enfuir d'ici, c'est compris? Et tu vas pouvoir oublier tout ça. Thank you.
Rosaline, Lutèce n'est pas ma mère. Et vous non plus. Et il vous a tué toutes les deux à cause de moi. Je sais que vous détestez de ne pas être votre fille. Et je vous ai détesté de ne pas être ma mère. Pour vous ramener, mais j'ai ramené une version de vous, d'une réalité qui n'existait que dans mon esprit. Il a toujours fait semblant de nous aimer. Toutes les deux. Je ne suis pas une enfant de la honte. Je suis une victime. Mensonge. Mais je ne me laisserai plus jamais faire. Nous devons nous pardonner. Parce qu'il existe un être bien pire que nous. Le prophète, il m'a tué. Est-ce que vous menaciez de tout dire à mon sujet? Si c'est vrai, pourquoi je suis en vie? Vous ne l'êtes pas. Pas dans ce monde. Mais cette version de vous existe peut-être dans un monde où vous ne le connaissez pas. Un monde où je l'ai sauvé? Je ne sais pas. Est-ce vraiment possible? Découvre-le, petite. Découvre-le. Ah!
la fille et nous effacerons, la dette. Ramenez la fille et nous effacerons la dette. En juillet. Elisabeth, tu m'entends? N'approchez pas, vous êtes. Je dois trouver un moyen d'entrer. Bien. Écoutez, je veux juste voir la fille. C'était qui, c'est... Peu importe, il faut que je trouve le bureau du gardien. Je suppose que le siphon me tient en laisse.
Oui, c'est mon père qui m'a enchaînée. Mais quand le moment est venu, je n'ai pas saisi l'occasion de m'affranchir. Que se passerait-il si je me libérais? Seulement pour découvrir que je suis toujours aussi docile. Je suis le docteur Pettifog, Elisabeth, et je vais m'occuper de toi. N'approchez pas de moi. Toujours aussi rebelle, même après tout ce temps. DeWitt t'a abandonné. Il faut que tu l'oublies, petite. Il va venir. Elle doit être éliminée. Elle a réussi à s'enfuir de la tour. Et maintenant, le prophète... Éliminer l'agneau ? L'héritière ? Si on modifiait la procédure, on pourrait... Il n'y aurait aucun danger. On croirait à un accident. Il faut que je recharge.
Tu ne manges rien, petite? Quelque chose ne va pas? Je n'ai pas faim. Tu vas bien par devoir manger. Si tu en es une, tu risques de mourir de faim. Allez. Je recharge! C'est demain ton opération, tu sais. Il faut manger. Tu espères toujours que Dewitt va débarquer pour te sauver, c'est ça? Ça fait 6 mois. 6 mois? L'interrupteur. Je devrais pouvoir descendre et retrouver Elisabeth maintenant.
demain je serai libérée. Parce qu'il faut que tout cela cesse. Mais même si je détruis le siphon, serais-je assez forte pour voir toutes les portes et ouvrir celle de mon choix? Elisabeth, tiens bon! Qui sait s'il sera de taille à faire face au monstre que j'ai créé? C'est une faille. Qu'est-ce que... Pourquoi toujours des quoi? Quand la question qui compte est quand? Vie, vécu, vivra. Meurt, mort, mourra. Comme vous le voyez, Booker, les démons ont pris le contrôle de l'asile. Ils refusent même de m'écouter à présent. Tout ce que je peux faire, c'est regarder ce que j'ai déclenché, arriver à sa conclusion. J'ai usé mes dernières forces pour vous amener ici. Elisabeth, je comprends pas. Je t'ai entendu crier, j'allais venir te chercher, est-ce qu'on... Tenez. Prenez ma main. Et Booker, même l'espoir. J'allais venir. Songbird, il vous arrête toujours. Oui, mais j'aurais réussi. Non. C'est trop tard pour moi. Je vous ai fait venir pour vous. Elle et vous. Tenez. Qu'est-ce que c'est ? C'est pour elle. Elle saura le déchiffrer. Qu'est-ce que ça dit? C'est un conseil. Un conseil pour quoi? Pour ne pas qu'elle finisse comme... Je suis de retour. 1912. Avant qu'elle... Il n'est pas trop tard. Elisabeth ! Vous deux là-haut, si jamais elle s'énerve, utilisez les machines ! Comstock ! Qu'est-ce que vous lui faites ? Laissez-la ! Monsieur Desmond, comment dit-on déjà ? À la fois trop tard et trop peu. Faut que je rentre là-dedans. Peut-être qu'en éteignant ces machines d'en haut. On n'a pas quelque chose pour la tiercère. D'après le prophète, la douleur fait partie du processus. Quand le corps se met à hurler, l'esprit l'écoute. Vous entendez ces cris du huit. C'est la conséquence de votre jugement. Vous avez poussé la fille. Ce n'est pas votre fille! Pas encore, non. Mais vous pouvez me croire. Elle le deviendra.
Je vais arranger ça. T'es prête? Allez-y. C'est parti. Donnez-moi un coup de main. Quelqu'un m'a demandé de te donner ce truc. Qu'est-ce que c'est? Lis-le. Votre vision de New York se réalise. Et c'est moi. C'est moi qui... Elle nous donne un moyen de passer Songbird. On va trouver un dirigeable et partir à Paris, Elisabeth. Souviens-toi, nous tu voulais visiter... Nous ne partons pas. Nous allons trouver Comstock. Pourquoi? Vous avez vu ce qu'il a fait de moi. Je ne le laisserai pas faire. Et alors quoi? Tu vas le tuer? C'est maintenant que vous venez me faire la morale, Booker? N'oubliez pas que je vous connais. Je ne vais pas te laisser le tuer. Vraiment, Booker? Et qu'allez-vous faire pour m'en empêcher? Rien du tout. Parce que je vais m'en charger pour toi. Très bien, allons trouver ce prophète. Le zeppelin de Comstock est dehors. Il l'appelle la main du prophète. Comment tu sais ça? Je suis là depuis longtemps. Combien de temps? Suffisamment. C'est verrouillé. J'espère que Comstock a eu ce qu'il voulait de moi. Parce qu'il n'aura pas le temps d'en profiter. Tout cela n'a aucun sens. Je comprends absolument tous ces codes, à l'exception de ce symbole. C'est une cage. Est-ce qu'elle a expliqué quoi que ce soit? Non,